Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, une chose absolument triste est en train de se passer. Cristiano Ronaldo est en train de faire sombrer une équipe dans un autre continent. Après qu'il ait joué dans le continent européen, qu'il ait tout raflé, qu'il a ensuite commencé à descendre en allant à la Juventus pour ensuite sombrer à Manchester United. On a tous vu, on a tous pleuré. On a tous dit, oh là là, Cristiano Ronaldo, lâche les crampons, deviens entraîneur ou coach sportif, ou deviens mannequin, ouvre des hôtels partout. C'est bon, tu as tout gagné. Vous connaissez Cristiano Ronaldo, il ne veut jamais lâcher. Il a commencé à chercher des clubs partout en Europe. Il a commencé à dire à son agent, si tu ne trouves pas minimum Chelsea, Bayern ou je sais pas quoi, t'es viré. Le manager s'est fait virer, l'agent s'est fait virer. Il est parti dans un autre continent, là où il a dit qu'il irait jamais terminer sa carrière. On lui a proposé un contrat absolument juteux qui aurait fait trembler les genoux à plus d'une personne, on va pas se mentir. Ah voilà, 200 millions par an, c'est une dinguerie de malade pour jouer au foot. Absolument magnifique. Il a accepté, ce qui est tout à fait normal. On lui est tombé dessus pour dire que voilà, il va aller dans un autre continent où le football est un peu plus facile. On va voir, mais imaginez quand même que c'est quand même triste de voir Cristiano Ronaldo aller dans un pays où le football est moins développé. Qu'est-ce qu'on constate? Que même dans ce football soi-disant moins développé que le nôtre, Cristiano Ronaldo n'y arrive pas. Premier match, zéro but. Ses statistiques, un seul crochet. Deuxième match, zéro but. Statistiques, un ballon perdu qui mène au but du break. Il perd le ballon. Il y a 2-0 au moment où il perd le ballon. Vous vous rendez compte? Il a permis à une équipe de prendre le large. Vous êtes en train d'assister à Cristiano Ronaldo, le destructeur de clubs. Peut-être qu'il a une dent contre tous les clubs et qu'il est venu à Manchester United pour détruire Manchester United. Malheureusement, Manchester United est en train de ressortir de ses flammes. Je pense que ce que Cristiano Ronaldo a fait vivre à Manchester United, ça a un petit peu remobilisé tout le monde là-bas. Et là, ce qu'on est en train de constater, c'est que Al Nassr, équipe qui a remporté deux fois la Super Coupe d'Asie, vient de se faire éliminer avec Cristiano Ronaldo en titulaire et qui n'a toujours pas marqué. Qu'est-ce qu'on peut constater? On voit Cristiano Ronaldo en train de s'effondrer dans un autre continent. Vous vous rendez compte? Hein? Il est venu dans notre continent, on l'a vu. Tout le monde était choqué, tout le monde a pleuré. Et là, il va aller nous faire pleurer dans un autre continent. Sauf que là-bas, là, si tu les fais pleurer, oh, je ne sais pas comment ça va se passer, hein. Je ne sais pas quelles sont les clauses de ton contrat, mais ça va être chaud.